je vais rester un petit peu sur la zone 10, moi, parce que ça me permet de voir un petit peu tout ce qui se passe. Par exemple, en zone 9, le 444, là, leur Mercedes du Team Reicher, qui passe, équipage autrichien avec Prudy et Rudolf. Et là, on va avoir du lourd avec le 310, que je n'ai encore pas vu passer, le Team Young Wales Over the World, hollandais sur un Magirus 9 Jupiter, avec Dave Smith et Conemial. Ah, ils sont toujours beaucoup plus impressionnants, ces nez longs, comme on dit. En 6-6. Alors que juste derrière, celui qui fait ronfler son moteur, le moteur de son Mercedes. Ouais, allez, 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 c'est Francis Rouet. Francis copiloté par Stéphane Kösch. Et malheureusement, c'est la mise hors course puisque c'est la banderole extérieure qui a été touchée. Et dès l'instant que cette banderole extérieure est touchée, c'est la mise hors course avec en pénalité. Et bien toutes les portes qui n'ont pas été passées comptabilisées à 100 points. Je reviens pour commenter ce qui se passe sur la zone numéro 10 avec toujours l'équipage en série 3 essieux, l'équipage numéro 310, nos amis hollandais, Dave Smith, le barbu de service, c'est la plus belle barbe du plateau. Hier matin, ils se sont fait une grosse frayeur en zone 1, avec un problème de frein, c'est gênant hein, pour... Le passage des buses. Tout ça sous l'œil attentif de Philippe, puisque c'est son concurrent direct. Hein. Ah, regardez, ça c'est le pont avant qui est bloqué sur la buse. Vous voyez ces obstacles artificiels comme ils peuvent être des pièges. Parce que là j'ai l'impression que le pont avant est posé. Ça va, il peut faire sa marche arrière, il va changer de direction. Et quelquefois, à 50 cm près, ça va passer. Toujours bien connaître où se trouve situé son pont et son point inférieur le plus bas. La connaissance du... Voilà, alors il a sacrifié carrément le piquet, mais bon, il fallait le passer. Il fallait les passer, ces trois essieux. Hein. Et vous voyez que les buses n'ont pas supporté le passage, justement, c'est les ponts, hein, les pas des ponts qui ont... Ils ont explosé ces buses blindées pourtant.